J'ai pas l'habitude de voir avec des lignes. Moi non plus, mais j'ai plus d'antilles, j'ai plus le temps de passer de commander. Je peux montrer sur le mail antilles.com. Ouais, c'est top. Et c'est expédié en 48 heures. Ok, je vais essayer. Antilles.com, mail antilles en un clic. On a tous compris qu'il n'y a que du fruit dans Joker. Tu vas vérifier tous les matins. Non. Pour bien réveiller le goût, le purgé de Joker, c'est du fruit, et rien que du fruit. Et en ce moment, 40 centimes de réduction immédiate sur votre purgé d'orange sans pulpe, 1 litre. Joker, réveille le goût. Alors, ma queen, qu'est-ce que t'as à voir? Est-ce que j'ai pu comprendre? Gibbs et Joan Fiddick sont très fâchés, ils ont brouillé à mort. Cette femme a perdu sa fille, ainsi que sa petite fille. Aujourd'hui, son fiancé est mort entre ses bras, et c'est son ex-chance qui dirige l'enquête. Alors, un peu de compassion. Eh bien, peut-être Kelly, vous dites. Non, mais Kelly, ne le dis pas en mon cher, j'ai entendu parler. Le tireur était caché dans un super bouquin. Des bourreaux de bouquin. C'est ce que j'ai dit. Je vous écoute. Ah, patron. On vient de vérifier les images des caméras qui couvrent le fond de mer. Il n'y a rien sur le suspect. Il connaissait probablement l'emplacement des caméras et le moyen de les éviter. Ce qui veut dire que c'est un habitué de la promenade et qu'on devrait commencer par interroger les employés et les commerçants de la marina et tous les résidents. Avec des, le capitaine Joseph Carter, ravitaillement, 63 ans, pas de famille, il était à 6 mois de retraite. Dossier de service parfait, jamais marié. Devait l'être bientôt, et pour la bague de fiançailles. Eh oui, mais y c'est une copie d'Ursus de Mieux que vous venez d'acheter. Un diamant de 3 carats, sans aucun crapaud. On la cherche. Oui, on a une équipe sur le coup, et en ce moment, Matt Cadot fait le tour des resellers de la ville. Du bon boulot, dites-en. Tu m'as bien entendu. Gibbs, votre belle-mère vous attend en salle de conférence. Ensuite, j'aimerais vous parler. Vous êtes venu jusqu'ici pour me dire ça, directeur. S'il va aller chercher la dessinatrice pour le portrait robot. Maggie, trouvez-moi cette arme. Et notre héros occupe de la bague, patron. Oh, oui, tu peux le dire. Il m'a complimenté deux fois. Pas du tout, Kit. On va bien avoir un œil sur lui. Vous êtes d'accord, directeur? C'est à vous d'en décider un jour ou l'autre. Non, absolument pas, monsieur. Là, vous avez raison. C'est ce qui m'aide à avancer. Comment va votre père, Gito? Il est toujours aussi têtu. Je suppose que c'est une bonne chose. Comment va Mac? Mac et moi, nous avons divorcé environ 2 ans, après tous ces événements. Ça a été difficile. Pour tout le monde. Il n'a plus jamais, jamais été le même après la mort des deux filles. Et vous, Gito? Vous savez, vous n'étiez pas obligé de traverser ça tout seul. Oh, j'ai appelé John et vous ne m'avez jamais rappelé. Je suis désolé, mais ce n'est pas exactement ce dont je me souviens. Que s'est-il passé cette nuit? Joe m'a emmené à une soirée chez un ami qui fêtait son départ à la retraite, un amiral de la Navy. Ensuite, il a voulu qu'on rentre par le bord de mer et qui sait tout. Il avait quelque chose à me demander. Et vous a demandé en mariage? Oui. Je regardais la bague qui m'avait passé au doigt. Inconnu s'est approché de lui. Il a sorti une arme. De quoi avait-il l'air? C'était un blanc. Il avait une vingtaine d'années. Tu m'as voulu lui prendre son arme. Tout est allé si vite. J'ai craigné. Ça doit vous affecter.
racontez pas de ça, Gibbs. Je sais ce qui vous fait démarrer au quart de tour, ça pourrait devenir un problème. D'accord, que ça reste entre nous. Très bien, je vous écoute. J'ai besoin de le faire pour Shannon. Elle l'aurait voulu. Dans l'appartement du capitaine Norton, nous avons trouvé son ordinateur et des téléphones portables dont deux ans.
a-t-il besoin d'un téléphone sans identifiant lors d'une élection? Beaucoup d'individus. Le téléphone ont été achetés en Arizona. Et Norton les a utilisés quand il était affecté à un groupe de combat satellite qui était basé en Amérique du Sud. Il y avait des millions à la banque.
Os outros não têm que falar com nada, né? Não. Ninguém. Dele não. Gente, eu sou um... Ah, je vois que ma vie est il met mieux milliards de pieds à la commune. Trafiquants de drogue sont impliqués. Vous n'avez aucune idée des gens à qui vous avez affaire. Et vous
protégez-moi la victime ici. Dans cette affaire, votre nom apparaît de tous les côtés. Je ne sais pas exactement ce que vous avez fait ni pourquoi. Selon nicht Waldman, nicht Waldman, c'était le même. Il est scandaleux. Vous voulez que je vous aide, oui. Oh, c'est ça, pardon. Oui. Bonne chance. Oh, quel excellent. Oh non. Ma quand je suis timide. Oh, prends Gorette. Je l'aurai un jour. Vous m'avez appelé, monsieur Gibson? Bien. Oui, si vous avez un hôpital à prendre avec. Je vais partir en train. Ça va se poser? J'ai une journée de folie au cabinet. C'est surprenant que des gens se lancent dans des poursuites même dans une période de crise comme celle qu'on traverse. Ouais. C'est mieux que de s'entretuer. Oh, bon, si. Petite perte. Oh shit. Il me faut dire ma... Oui, c'est possible. Vous avez passé deux coups de fil dans la journée. Ça fait 4 ans que je suis sous ses ordres au ravitaillement. Et avant ça, on s'est rencontrés au Yucatan, au sud du Mexique, il y a plus d'une dizaine d'années. Et vous étiez très Margarita Sandigos. Non, monsieur. Avant de m'engager, j'étais dans la pêche au gros. On s'est rencontrés et le capitaine Norton m'a suggéré d'entrer dans la navire. Quelle histoire touchante. Écoutez, on a comparé les relevés de bord de Norton et les vôtres, et vous savez ce qu'on a découvert. Ça pourra que vous étiez sur la scène de crime. On veut me faire porter le chapeau.
appuie sur elle. Et maintenant, c'est notre tueur. D'accord, l'échantillon à qui j'y vais. Tiens donc, on dirait Madame Alison Hart. Agent Inozzo. Vous vous connaissez? Madame Fielding est ma cliente. Oh, eh ben non. Et où vous allez? Je me sens pas en sécurité ici. Ça va, John? Oui, Danny, tout va bien se passer. D'accord. Cette femme traverse une période difficile. Et votre enquête ne fait que lui rendre les choses encore plus difficiles. Vous m'envoyez désolé. Bon, alors, vous pensez que je peux discuter une minute avec votre cliente? Non. Tout ce que vous aurez à lui dire, il faudra me dire à moi. Bonne nuit, agent Dinozzo. Il m'a invité à prendre un verre. Vous retenez le lieutenant Shankton pour le meurtre de Norton? Oui. Vous pensez que c'est lui qui l'a tué? Possible. Pourquoi vous le retenez? Les preuves sont contre lui. Il avait la même arme et un autre. L'autre part, c'est ça. Bien, nous ayons avec le cartel de Reynosa et je peux plus. John Fielding connaissait le lieutenant Shankton pour son fichier. Vous devez savoir qu'elle est allée plusieurs fois chez Shankton. On pense que c'est elle qui l'a piégé. Les deux hommes ont gagné avec le cartel responsable de la mort du chef. De qui? Vous êtes sérieux? Vous pensez qu'elle vous y a des gens comme ça? Hey. Le temps est fort, vous réfléchissez et soyez objectifs.